Chers amis, bonjour. Nous voilà dans une petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente, une officielle. Nous ne connaissons pas encore véritablement la vitesse de l'évolution par rapport à l'esprit et son environnement. Nous sommes tributaires de l'environnement. Je parle toujours du réchauffement climatique, mais aussi de nos analyses propres sur les moments présents. Nous gardons un souvenir aussi, un marquage mémoriel, d'où cette grande question scientifique, pourquoi l'être humain, en grande majeure partie touché par l'Alzheimer, se rappelle quand même de souvenirs d'enfance. Il faut savoir que dans cette réponse, nous pouvons comprendre que notre enfance est simplement les bases, les fondations même authentiques, sans l'influence de, je dirais, la société, de l'artificiel. Et à travers notre évolution, nous faisons toujours un effet de retour, un feedback, en fonction de nos acquis quand nous étions dans les moments de notre présence dans la vie, les premiers moments de l'acquisition d'informations. Cette forme, évidemment, de ciment tient en compte aussi des aspects émotionnels qui traversent notre vie, mais aussi, bien sûr, peut, comme on dit en général, nous apporter certaines casseroles et nous empêche d'évoluer à des moments précis, que ce soit dans la vie privée ou encore, nous ne savons vraiment pas la vitesse d'évolution que nous avons, propre, avec nos acquis, nos réflexions, nos réussites, nos erreurs. Ce qu'on nous enseigne, évidemment, qui n'est pas toujours très performant, il y a toujours à travers les enseignements une forme de doute ou de questionnement supplémentaire pour nous faire avancer, nous faire réfléchir, mais surtout parfois même nous faire contrôler à travers un questionnement. Je dirais l'ingénierie au niveau du développement de toutes ces facultés nous mène souvent à un questionnement. Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Où allons-nous? Ce sont toujours les trois questions habituelles qu'on retrouve maintenant un peu partout. Nous avons tous, bien sûr, des réflexions. À travers les expériences de mort imminente, il y a une forme, je dirais, d'hypnose obligatoire. C'est-à-dire que dans le passage, je vais dire, de la vie à la mort, il y a une forme d'état modifié de conscience. Ça peut être aussi une forme d'hypnose, où bien sûr tous les sens là sont éteints par rapport à une séance hypnotique qui peut faire pas mal de dégâts par la suite. Nous verrons plus tard. Ce qu'il faut savoir, surtout, c'est trois éléments essentiels. C'est l'âge, la forme de l'individu, donc sa mise en forme, sa capacité réactionnelle par rapport au physique et aussi à l'analyse, je dirais, mentale, psychologique, mais aussi, et c'est pour plus tard, le degré de variation et de rythme synaptique. Donc il y a un ensemble, évidemment, je vous en ai déjà parlé,
Mais ce rythme est extrêmement important pour les premières expériences qui vont avoir lieu sur les personnes en intermittence temporelle. C'est-à-dire que cette faculté, et rappelez-vous, allez voir ce fameux texte que j'ai mis il y a quelques années qui s'appelle le discours, on y entrevoit à travers ce texte que différents éléments pourraient interagir sur différentes formes, différents organismes. Ceci joue un rôle dans les légendes, les religions, les mythes. Mais nous avons là donc des cas particuliers où il y a une insertion, je dirais, d'idées, de pensées, au travers d'un rythme synaptique temporel. Nous connaissons déjà, on en a parlé au niveau de la télépathie, au niveau des déjà-vus, au niveau de la numérologie miroir, c'est-à-dire les numéros miroirs, les heures miroirs. Mais il n'y a pas que les heures miroirs, nous sommes d'accord, il y a aussi des images qui nous parlent, qui sont pratiquement authentiques, mais à des moments différents. Ce travail, évidemment, fait partie de l'évolution humaine. Dans un futur, bien sûr, on va pouvoir interagir sur cette fréquence synaptique. Oh, bien sûr, il y aura des découvertes juste avant. On sait très bien maintenant, et on ne se le cache pas, que la majeure partie des gens qui ont subi une expérience de mort imminente ou une maladie grave, une maladie importante, il y a eu dans les derniers moments, surtout fin 20e siècle et début 21e siècle, vous savez tous que cette vidéo, je ne prépare rien, il y a une conséquence sur les médicaments, mais surtout, bien sûr, l'évolution de tout ce qui est IRM, donc de toutes ces imageries médicales, qui interagissent donc évidemment dans un but bien précis, c'est de soigner l'individu. Mais nous savons qu'à travers l'âge, à travers les époques, tout ce qui est phénomène électromagnétique joue un rôle d'une importance extraordinaire sur notre faculté, sur notre développement. Il y a encore cette question scientifique actuellement, on se demande pourquoi il y a un halo, je dirais, électromagnétique au centre de notre planète et quel jeu, rôle il joue. On sait très bien que dans sa puissance et l'augmentation, il joue sur nos cellules. Elle peut donc créer des effets de gigantisme. Et puis quand elle chute, elle remet un petit peu au goût du jour la formule, je dirais, de l'ADN. Et donc stabilise ce gigantisme. Parce qu'il faut aussi que l'environnement suive ce gigantisme. Il y a encore beaucoup de choses à travers la science de rechercher ce genre d'évolution. Nous, êtres humains, nous avons perdu certaines facultés. Elles ne sont plus en connectivité, je dirais, avec le cosmos, si vous voulez, avec aussi l'environnement, mais aussi dans notre propre devenir, propre analyse sur, évidemment, notre devenir. Seul un retour sur un état modifié de conscience peut nous permettre d'enlever ce voile et de nous rendre compte, bien sûr, que la synchronicité joue un rôle, qu'il y a d'autres informations que la synchronicité qui ont été évoluées sur un système scientifique particulier. C'est à cette occasion que je vais vous parler du projet Commodore. Ce projet à sélectionner, il est en passe de devenir, il y a déjà quelques brides, en passe de devenir à le même système que je vous ai expliqué il y a 10 ans des prieurs. Ces prieurs qui se mettent dans un état modifié de conscience, qui acceptent une forme de possession, on va en parler dans une vidéo, vous serez étonnés. Là, nous parlons dans un aspect scientifique où on sélectionne des individus capables physiquement, mentalement, un peu comme des astronautes, d'accepter un état de modifié de conscience, mais très très poussé. On va donc en fait pouvoir analyser concrètement leurs souvenirs, leur manière d'interagir à l'intérieur de leur tête, les fonctionnements, dysfonctionnements psychologiques, et puis de laisser un peu comme un disque dur un espace de manière à ce que cet espace soit pris par une fréquence synchronique et aussi temporelle pour y laisser des messages. Ce travail que je vous cite, bien sûr, a l'air d'un phénomène de science-fiction, d'un film, d'un feuilleton. Si vous avez l'occasion de suivre ma page
ou l'évolution de bientôt cette page qui va revenir en ligne de Willes Carbo, vous allez voir que bien avant la sortie des feuilletons sur certaines chaînes payantes ou films au cinéma, j'en parlais déjà. Il faut comprendre donc qu'à ce moment-là, nous sommes là sur un aspect scientifique et doucement, je dirais, barré par des réflexions, des sous-entendus, une forme de manipulation psychique à travers le cinéma, à travers les religions, mais ça a toujours été comme ça. Vous le savez, quand vous allez quelque part, vous faites la plus belle ou le plus beau possible, c'est une forme de cinéma, on peut dire ça comme ça, pour être accepté parmi les autres ou pour viser un objectif particulier. C'est toujours dans le même style. Le projet Commodore, lui, sélectionne une majeure partie, je dirais, de 70% de femmes qui ont la faculté et la féminité, si je peux dire, le petit William Sorin, quand je dis souvent, de percevoir beaucoup plus vite l'intuition féminine, et au niveau des hommes, de pouvoir aller plus loin dans l'acceptation des informations et d'avoir des formes de choc qui sont dans le même parallélisme que les effets de possession. Dans tout cet ensemble de recherches sur le projet Commodore, tout, normalement, doit bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une accélération au niveau d'une forme de télépathie, une accélération sur le développement, sur l'aspect psychologique, le réalisme, la prise en considération d'informations. Mais le problème, c'est qu'on arrive à une barrière dans ce projet qui remet en cause le phénomène de possession et d'exorcisme. Car la possession, l'exorcisme, tout le monde connaît, on en fait des films, on en fait beaucoup de baratins, on en fait des livres, mais souvent c'est très, je dirais, fantasmagorique, un peu fantomatique aussi, hein, avec les maquillages et tout. Je vous ai déjà parlé de ces phénomènes de possession, mais il y a d'autres phénomènes qui sont véritablement en conséquence dans une approche d'imposition d'informations capitales pour l'évolution. On retrouve ça, bien sûr, encore toujours dans des films et des feuilletons, mais ça permet de passer un peu la pilule. Moi, je vous parle réellement d'un projet qui est très intéressant, surtout dans la réanimation de différents aspects psychologiques après un long voyage dans l'espace. Alors, vous aurez donc cette occasion de voir ces quatre vidéos que je vais faire le plus rapidement possible. Et ces quatre vidéos vous emmènent véritablement pour le questionnement pourquoi un changement, pourquoi, je dirais, un état modifié de conscience. Évidemment, certains symptômes peuvent être créés. Il y a l'aspect de défense psychologique qui sont un développement d'hallucinations, qui seront travaillés par la suite et développés en tant qu'une forme d'hologramme, je dis bien d'hologramme psychologique, de manière à temporiser et à pouvoir être accepté au moment de l'information. C'est exactement ce que vous avez au bout du tunnel quand vous voyez votre grand-père, votre grand-mère, votre chien ou votre cheval qui fait signe. C'est des événements très importants pour passer des informations évidemment capitales sur le cours de l'histoire, le cours de l'évolution et surtout ce qui s'est passé après le réchauffement climatique, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien sûr, beaucoup de gens pour le moment ne vous parlent pas de l'après-réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la position politique. Pour les uns, comme je disais dans une vidéo, n'acceptent plus de suivre un consensus, je vais dire, sur le climat. D'autres prennent des éléments qui ont parcouru le monde et qui se sont toujours tracassés sur le réchauffement climatique, mais plutôt comme une image politique de bienveillance. Nous savons tous que ce soit une politique de bienveillance ou financière, on ne peut pas évidemment reculer une machine qui a été déclenchée pour un réchauffement climatique. Mais on peut-être interagir à travers l'histoire, à travers le temps, à travers les vibrations synaptiques, à travers des corps qui sont bien précis, qui ont une boîte crânienne, qui ont, je dirais, tous les ingrédients nécessaires pour accepter une forme d'information. Les premiers tests, comme je vous ai montré sur les chroniques d'une expérience de mort imminente, n'ont pas toujours été très concluants.
à travers l'histoire, évidemment, on n'a pas toujours pu cibler des gens adultes de manière à ce qu'ils sachent accepter avec leur physique, leur mental, si je peux dire, toute cette condition de recevoir des informations, d'abord qui ne sont pas toujours comprises, qui peuvent faire peur, évidemment, d'où le cas des expériences de mort imminente où l'individu pense qu'il est dans l'enfer exactement. Parce que ces informations sont extrêmement brutales, très parlantes. Il faut vraiment faire une étude sur ceux qui vivent une expérience de mort imminente très difficile et de voir un petit peu non seulement les dates de naissance, les aspects au niveau de la synchronicité, au niveau de leur gabarit, car il faut souvent étudier. Il y a peut-être un faible pourcentage qui est à mettre de côté, mais la grande majeure partie des informations et des gens qui ont subi une expérience de mort imminente qui reflète un peu l'enfer, parce que les images sont véritablement brutales, atroces. Souvent, ces personnes, dans leur existence, ont déjà eu des coups très difficiles et peuvent assumer des informations brutales. Donc là, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas tout ce que vous voulez qui mettent tout ça en positivité. On met, je dirais, ces informations très cash dans le réceptacle de l'individu qui a cette expérience de mort imminente et souvent qui a le reflet, évidemment, sur un aspect biblique, ou alors qui s'ouvre aussi sur l'aspect biblique parce qu'il n'a pas, évidemment, le temps d'analyser le tout. Mais il y a toujours à l'intérieur encore un tout petit pourcentage où l'individu se dit « Oui, je vais croire en Dieu, oui, je vais croire en ceci, mais il y a quelque chose de scientifique dans tout ça. » Enfin, je dis scientifique, quelque chose de hors contrôle au niveau des religions et ainsi de suite. Ce qui existe vraiment, c'est le voyage de la pensée d'un corps à un autre corps sur des jonctions temporelles et encore d'autres qualifications que je vous citerai dans les petites vidéos plus tard. Il faut vous attendre évidemment à ce que ce que je vais vous expliquer soit peut-être complexe, difficile à accepter. Mais pour ceux qui ont fait les stages avec moi, ils savent qu'on a la possibilité de rentrer dans la tête de quelqu'un sans hypnose et de pouvoir modifier les rythmes synaptiques et d'autres choses, bien sûr, de manière à recalibrer une synchronicité, et qu'à ce moment-là, il y a un développement, je dirais, beaucoup plus naturel, sans l'influence de la société qui oppresse en général de plus en plus vite, dans tous les secteurs possibles, bien sûr médiatiques, vie privée, ainsi de suite. C'est déjà une forme d'état modifié de conscience. On utilise bien sûr quelque chose, mais ils savent maintenant qu'ils peuvent faire confiance à ce travail, à ce stage, car il y a bien sûr cet état modifié de conscience permanent. C'est-à-dire donc que les vidéos que je ferai vont probablement, pour certaines, vous laisser perplexe. Mais chaque information que je vais vous donner, je vous donnerai une référence, soit biblique ou scientifique, qui va vous donner réflexion et qui va vous mener, je pense, à la même idée et vous donner une forme de crédibilité à ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de choses dans le domaine des expériences de mort imminente, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. On n'est pas tous obligés d'avoir une expérience de mort imminente pour avoir, je dirais, un nouveau calibre au niveau de la perception de la synchronicité et de ce qu'il y a d'autre derrière. Parce que, bien sûr, le calibrage de la synchronicité n'est qu'une clé. Ce travail peut permettre aussi le développement des sens extrasensoriels et de pouvoir anticiper, de prévoir sur son chemin évolutif. Tout cet ensemble de travail, je vais l'apprendre à travers ces stages. Mais ce n'est pas véritablement mon but de, comme on dit dans notre jargon, d'épater la galerie ou d'être un grand chercheur et ainsi de suite. Ce n'est pas mon objectif encore et toujours, et je préfère chaque fois le dire dans les vidéos. Si je dois un jour aller ou faire, je dirais, une conférence sur les expériences de mort imminente, il est clair et certain que je ne pourrais toucher que 10% sur les témoignages de cette fameuse lumière, de ces fameux morts qui vous parlent, de ces personnages bibliques ou encore privés. Je ne pourrais pas m'arrêter,
je ne pourrais m'arrêter que 10% sur ce développement, je dirais, de témoignages, car le reste est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus important, c'est pas vrai, parce que alors à ce moment-là, je pénalise les témoignages des autres, et c'est pas mon objectif. Mais je dirais que nous avons pu dominer l'intersection entre la vie et la mort en créant des expériences de mort imminente qui, elles, ne sont pas, je dirais, naturelles ou associées à des éléments artificiels. Il y a donc, et il existe, et je l'ai toujours expliqué, il existe des expériences de mort imminente qui peuvent être programmables à travers le temps par des événements précis qui mènent l'individu, en croyant qu'il y a toujours son libre arbitre, à un point vital où on peut à ce moment-là l'éteindre, si je peux dire comme ça, y laisser une information capitale pour lui ou pour son environnement. En général, c'est pour l'environnement, mais bien sûr, il y a la réactivation, pas cette fois-ci de la synchronicité, mais la réaction, la réanimation et le redevenir, je veux dire comme ça, dans l'existence de la personne. En général, bien sûr, il y a un questionnement ou alors une obligation de reprendre son activité, je dirais privée ou professionnelle, qui l'empêche d'analyser, de comprendre ce qui lui est arrivé. Souvent, il y a un pourcentage, à peu près de 35%, qui eux réalisent qu'il y a eu un changement, mais comme ils voient en général sur les réseaux sociaux, dans les livres, que les gens parlent d'un tunnel, d'un être spirituel qui vient, ben, ils rentrent dans ce même système, mais souvent ils savent qu'il y a autre chose, mais n'arrivent pas, un peu comme Ézéchiel et d'autres, de l'expliquer avec leurs mots et la conception d'une analytique, je vais dire, scientifique. Et ça c'est logique et c'est normal. Mais au travers du temps, l'intelligence artificielle jouera un rôle moteur, je vais dire, dans ce travail, mais il y aura des personnages, comme j'ai cité à travers les chroniques des expériences de mort imminente, où eux vont jouer un rôle très capital. On sait que dans le livre que je fais maintenant, et je n'en fais pas la publicité, mais simplement que cette vidéo fera quand même office de témoin, on sait que dans ce livre, je parle déjà de beaucoup d'événements qui vont se faire en France et à Paris. Donc il n'y a pas de hasard, le hasard n'est que la signature de la certitude. Quand j'étais à Paris, beaucoup de confirmations, beaucoup d'événements, beaucoup de recherches, voire même à travers le stage, j'avais les afflux synaptiques et de synchronicité avec chaque individu qui était présent, et j'avais une connexion synaptique avec une personne qui était, je pense, je ne vais pas dire récalcitrante, mais qui avait un léger doute dans le travail, qui maintenant ne l'a plus, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une position d'étude sur l'aspect scientifique et sur l'aspect des problèmes, je vais dire, mentaux chez les gens. Donc, je ne dis pas que je suis fou, je dis que c'est une personne qui cherche comment on peut aider les personnes qui ont l'Alzheimer, la destruction des souvenirs, ainsi de suite. Donc cette question qu'on m'avait posée justement lors de ce stage, pourquoi la majeure partie des gens qui ont l'Alzheimer se rappellent plus des souvenirs, beaucoup plus des souvenirs passés de leur enfance que tout le reste? Eh bien, ma réponse, évidemment, en grande majeure partie, c'est que dès que vous avez un pied dans la vie, votre système mémoriel, qui n'est pas encore soumis par un taux d'oxygène élevé, est mauvais. Donc on sait très bien l'effet de pollution, l'aspect nutritionnel aussi. Eh bien, il y a ce marquage mémoriel de la petite enfance. Donc on peut voir cette image où le petit bébé marche à quatre pattes et qui cherche un peu où est passé, je dirais comme la publicité, où est passé ce pipi. Eh bien, vous connaissez tous cette publicité. Eh bien, c'est un petit peu ça, il y a une recherche et une construction, un ciment d'évolution où là, doucement, on commence à prendre son envol professionnel, privé, familial et ainsi de suite, mais on garde toujours cet aspect, je vais dire, miroir par rapport à notre première enfance. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ce que nous faisons, parce que nous pouvons développer un bébé, un jeune garçon qui aime bien jouer un petit peu à la guerre, et puis on retrouve malheureusement les adultes qui jouent pour de vrai et qui ne respectent pas autrui. C'est grâce à ce travail qui, il y en a plusieurs, et Fulon, Centurion, mais le projet Commodore
à sélectionner des volontaires qui refont la même chose que ces prêtres et ces moines qui ont travaillé ça après les croisades et qui savaient qu'il y avait quelque chose derrière tout ça, non seulement religieux, mais bien autre chose qui pouvait apporter beaucoup d'informations. Mais c'est pas tout. Les expériences de mort imminente jouent aussi sur différents facteurs qui sont le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, l'afflux sanguin, l'aspect gestuel, l'aspect aussi psychologique. Il faut une alliance complète pour pouvoir interagir à l'aide d'une fréquence qui souvent parle à l'individu, c'est-à-dire bien sûr une forme de fréquence similaire au rythme cardiaque ou au rythme synaptique. Tout dépend évidemment de ce que vous aimez, c'est-à-dire la musique. Cette fréquence, j'en ai parlé sur l'intégratron et le développement actuel sur les sources, je vais dire, musicales qui interagissent sur la boîte crânienne de l'individu et les résonances électromagnétiques qu'elles produisent. Je viendrai évidemment plus tard vous parler de tout ça. On sait aussi que dans différents milieux, par exemple le milieu sportif, on peut avoir une connectivité synaptique beaucoup plus rythmée et avoir une forme de perception extrasensorielle beaucoup plus pointue, ressentir un petit peu déjà à l'avance, un petit peu le scénario de ce qui va se présenter dans votre challenge au niveau d'une course à pied, au niveau d'un entraînement de body, un peu de tout. Il y a beaucoup de catégories, il ne faut pas tout mélanger évidemment, mais il y a toujours ce rythme, j'appelle ça le rythme de vie, le rythme synaptique, une fréquence bien déterminée qui est relatif à un faisceau de lumière qu'on est en train de trouver bientôt. À cette occasion, j'ouvre cette parenthèse où on commence à découvrir qu'en Antarctique, au pôle Nord et tout ça, il y aurait différentes molécules ou neutrons qui pourraient interagir. Et ça, je pense à cette personne dont j'ai parlé avec elle à Paris, qui doit probablement penser à moi par rapport aux informations que je lui ai données et qui s'avère quand même de plus en plus confirmées. C'est déjà une des premières vidéos, je vais dire officielles, pour lancer les 4 prochaines vidéos. Je vais essayer de les faire le plus rapidement possible, mais je ne vous promets rien parce que je suis en France le 18 juin pour une grande présentation aussi sur quelque chose qui est relatif avec le rythme cardiaque, le sport et bien sûr la tachymétrie sensorielle, la synchronicité et aussi encore et toujours cet effet d'intégration. Et ce sera donc à cette occasion le 18 juin en France. Alors je vous avais promis que j'irais vous voir en France, je crois que c'est chose faite. Je vais aller dans d'autres pays aussi, grâce à la participation de gens qui sont ouverts d'esprit, c'est le cas de le dire, et qui vont permettre de pouvoir avancer sur un plan scientifique et non ésotérique ou que sais-je. Je pense qu'il est temps d'un petit peu mettre les choses à l'heure et de se dire qu'il est temps que on sache que nous avons nos solutions en nous à travers bien sûr l'imagination, les effets de synchronicité, enfin toutes ces choses qui nous permettent bien sûr de pouvoir accepter des événements, les analyser, ne plus les reproduire, hein. Rappelez-vous ce petit serpent qui se mord la queue, si je peux dire comme ça, eh bien vous aurez ces vidéos. Donc entendons-nous bien, je vais essayer de les classifier. Et probablement la prochaine vidéo, peut-être la troisième, je vous parlerai des phénomènes de possession, oui, phénomènes d'exorcisme, mais avec une autre vision, pas celle de la religion, mais sur un aspect scientifique et dans un parallélisme de la pratique d'exorcisme. Nous serons là confrontés à une pratique de l'exorcisme, et une analyse et une réflexion scientifique, mais que chacun et chacune pourra comparer, bien sûr, par rapport à ce qu'elle connaît déjà. Alors, voilà, moi, ma petite vidéo se termine. Vous savez que je ne prépare jamais rien, je parle comme ça sur toutes les informations. Peut-être que je vais en oublier, que sais-je, mais je ferai en sorte de travailler sur 3 tableaux cette année-ci, avec les conférences, avec les stages, avec les petites web-conférences qui sont toujours présentes et ces vidéos qui font partie des chroniques d'une expérience de mort imminente. Alors,
chose, dernière chose que je peux vous dire, quelque chose de bizarre se passe de mon côté, c'est que je rencontre maintenant des gens que j'ai rencontrés il y a 20 ou 25 ans. Alors c'est bizarre, il y en a une qui est sur la page Les Chroniques d'une expérience de mort imminente et qui m'a dit, tiens, il y a des choses que tu m'avais dit, ils sont arrivées, puis j'ai un ami qui fait de la moto qui est venu, il m'a dit voilà. Et c'était quelqu'un qui tenait une salle de sport avec moi dans ce temps-là, il y en a ici qui savent de quoi je parle, et d'autres qui viennent et qui me disent, tu sais, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, tout ce que tu avais dit, ça s'est produit. Entendons-nous bien, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité. C'est de l'insertion synaptique temporelle, c'est complètement différent, c'est un aspect de science, mais dont cette science, parfois, malheureusement, s'échappe à travers une connectivité des expériences de mort imminente et aussi avec un surplus énergétique qu'on appelle électro et champs électromagnétiques, qui sont les IRM et évidemment les imageries médicales. Alors, bien réfléchir dans ce domaine, si vous avez besoin d'informations, je suis présent. Je vous rappelle, pas besoin d'argent, pas besoin de grands textes, pas besoin de ceci, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, je vais essayer de faire au plus vite. Si pas, ce sera après le 18, malheureusement, vu que je suis en France à cette période-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et à très vite, et probablement peut-être la semaine prochaine, une petite webconférence sur le site bien connu, sur différents éléments. Alors un grand merci à tous, passez un bon vendredi, passez un excellent week-end, et à très vite pour des informations qui sont intéressantes. N'oubliez pas, ces informations, à la base, c'était militaire. Pas oublié. À très bientôt. Merci encore de m'avoir écouté. Encore, passez un bon week-end. Et à très vite pour ces vidéos qui vont être certainement intéressantes. Cet intérêt fera partie évidemment de l'aspect synaptique, mais surtout, comme on a créé Epsilon 5, nous allons partir d'abord par, je dirais, l'effet de possession-exorcisme par les cinq sens. Et vous allez voir ce qui se passe au-delà des cinq sens et surtout qui a créé le phénomène de possession. Et c'est pas du tout ce que vous pensez. La science, l'armée, le temps. Au revoir, à bientôt.